Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais réagir à vos vidéos à zéro vue. Donc j'ai fait un tweet comme tu peux le voir en plein milieu de l'écran. Je vous ai demandé d'envoyer vos vidéos. J'ai aussi fait une story sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me follow sur ces réseaux si vous voulez savoir en avance peut-être des vidéos, des choses comme ça où vous pouvez participer. Donc j'ai reçu plusieurs vidéos, on va regarder tout ça les gars. Je tiens à remercier les 10 derniers abonnés. Si toi aussi tu veux passer à l'écran, t'as juste à t'abonner mon frérot. Et on n'oublie pas le code créateur. Ça m'aide énormément en termes de soutien et tout, bah ça m'aide à pouvoir lancer des vidéos ou des choses comme ça. Donc je vous remercie ceux qui mettent le code créateur. Et on est tout de suite parti, let's go. Ok, là, on est avec Tizix 4 vues, donc. Bon, par contre, c'est du nom répertorié, il l'a pas encore post, mais je sais que voilà, souvent, c'est un mec grave sous-côté que personne connaît dans la commu, et c'est un mec ultra chaud sur Play. Il fait ses montages sur Share Factory PlayStation 5, et c'est un monstre, hein. Mais, waouh, par contre, le montage incroyable. On dirait vraiment qu'en fait, il y a Twixtor maintenant sur la Play. Wesh, stylé cet effet. Et la fluidité, du coup, ça fait bizarre de voir un highlight fluide comme ça, hein. Aïe aïe aïe, c'est joli. C'est vrai qu'il y a le reverse maintenant sur Share Factory. Ah là là. Mais c'est vraiment beau, hein. Oh oh oh. Oh wesh, le clip. Hey. Oh là là, les effets. Oh bon, à chaque fois, c'est vraiment plein de surprises. Et je kiffe vraiment ce qu'il arrive à proposer sur Share Factory. Oh là là, les effets comme ça, c'est incroyable. Et c'est beaucoup de temps aussi, je pense, au travail. Et voilà, t'apprends en fait à gérer Share Factory. Tu peux vraiment faire des grosses dingueries. Et les clips sont lourds, hein. Après, je crois que c'est beaucoup de créatifs, donc peut-être ça manque un peu d'arène encore une fois. Mais les clips, mon gars en créa, ils compensent vraiment beaucoup, parce que là, c'est masterclass sur masterclass, hein. Bien joué. Il n'y a pas de clip où c'est négatif. Souvent, tu vises la tête et tout. Et voilà. Thanks for watching. Tizix, très chaud, très bon sur PS4, mon gars. PS5, excuse-moi. Et ensuite, c'est Imixam, que 29 secondes, mais là, on est à 69 vues. Et je crois que c'est un mec très chaud en montage. Il a déjà participé au ITXO Contest et toutes ces choses-là. Oh là là, il donne déjà très, très joli. Petite color correction, vraiment pas mal. Et le clip. Je sais pas si c'est ses clips à lui, mais waouh. Les effets sont incroyables. Et ça, ça a que 69 vues, les frérots, hein. Ça mérite tellement plus. Le taf sur le montage est incroyable. T'es bien renseigné, toi. Ok, ok, c'est la fin. Très chaud, Imixam, très beau monteur. Je sais pas si c'est toi qui as fait le montage. Oui, je pense que c'est toi. Logiquement, t'es un monteur, mais peut-être j'ai cru que t'avais payé des mecs ou des trucs comme ça. Mais très bon, mon gars, continue comme ça. Et vraiment, donnez de la force à tous ceux dans la vidéo, les gars. Allez, on passe au prochain. Let's go, on enchaîne du coup avec Naruto FN. Je pense que ça se dit comme ça. Non, mince, qu'est-ce que j'ai lu? J'arrive plus à lire. Nortuo, on va dire que c'est comme ça. Ok, let's go, on est parti. Du coup, on est sur du 73 vues. Let's go. Non, je crois pas que c'est lui qui a fait le montage. Oh là là, oh! Déjà, on est en arène et on a un clip vraiment pas mal. Non, c'était du late game. Excusez-moi. Je pense qu'on va avoir un très bon highlight. Hein. Ok, d'accord. Le mec est chaud. Le montage, je crois que c'est du clean, donc rien à dire. Mais les clips aussi, hein. C'est du lourd. Vraiment. Le mec est bon, le mec est bon. GG ça. Masterclass en termes de clip. Après le montage, voilà, c'est du clean. Moi, c'est pas non plus ce que j'aime bien, tu vois. J'aime bien quand il y a quand même un peu de travail, je trouve que c'est plutôt simple. Et des fois, ouais. Tu vois, les transitions comme ça entre les clips, j'aime pas trop, malheureusement. Donc, voilà, voilà. Ouais, les transitions, j'aime pas. Entre les clips, c'est pas trop mon délire. Je sais pas, ça fait un écran noir. Toutes les fins de clips, je sais pas. Je kiffe pas trop. Mais voilà, sinon, clip, c'est vraiment lourd. Que du late game, j'ai l'impression. Alors là, le mec, il a passé ses vacances en late game, j'ai l'impression. Ok, zone noire aussi. On a tout, c'est bien, c'est varié. BF, zone noire, late game, arène. Vraiment, c'est clean, c'est clean. Voilà, voilà, très lourd. Et pour du 73 vues, ça mérite clairement plus parce que les clips, mon gars, oh là là. Ok, les gars, ensuite, c'est ce que 29 vues. Oh là là, les gars, je pense qu'on va tomber sur une petite dinguerie parce que je crois que c'est un éditeur. On est sur Overedit, only mobile. Que du mobile, là, tu vas me dire? Non, non, pas à moi. Hein. Attends, 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 comment ça? Que du mobile. Déjà, c'est quoi ce clip du futur? Même si ça dure 29... Oui, oui, oui. Ok. On voit que c'est du mobile, mais en même temps, on voit que c'était chaud. Oh, c'est spécial comme montage. En fait, on dirait un truc PC, mais avec 2-3 erreurs, parce que tu vois, j'ai l'impression que des fois, c'est pas très fluide. Mais, c'est pas mal. Oui, oui, oui. T'es lourd. Tuto, 80 subs, les gars, allez vous abonner. Hein. Plus que 6 abos. S'il y en a, il veut du tuto mobile. Là, faut aller bombarder sa barre d'abonnement. Très chaud. En plus, il y a des éditeurs qu'on connaît hein, sur la chaîne. Mais vraiment, pour du mobile, c'est clean, c'est clean. J'ai lu. Ok, on est sur du Gazo. Die Highlight 9.
Jusqu'à ce que je die. Oula, plus jamais. Zorx, let's go, c'est parti. 1 minute 28 de pur bonheur, let's go. On va skip un peu l'intro. Ok, c'est parti. Donc c'est lui, je crois, qui fait le montage. Ok, les manettes. Oh, petite double edit, balle dans la tête. Oh, reprise, ok, balle de pompe. Il est chaud, il est chaud. Oh, ça met de belles balles. Alors par contre, des fois, on a des clips plutôt simples. Genre là, tu vois, c'est des balles, je trouve, plutôt simples, ouais. Ok, là ouais, des fois il y a juste une petite édite et tout, peut-être essaye de faire plus d'édits, tu vois, là il y a... Ok, ouais, là ça va. Ensuite on a du late game, on a du créa. Je trouve après un peu que ta POV est un peu saccadée des fois. Ça manque un peu de fluidité. Mais sinon c'est... Oh, j'ai cru que c'était de la tilted zone noire. J'ai pas compris le clip d'avant. Ok, d'accord, la transition. Oh, la transition photo, bah ça, ça date en vrai, faut plus trop les utiliser, tu vois. Ok, ça aussi. Oh si, encore, ça peut aller. Petite shockwave. Ah, il y a quand même des ralentis et tout, hein. Il y a de la vélocité, il y a eu du travail quand même sur le montage. Ok, petite transition avec des fleurs. Ok, ok. Oh, stylé la miniature là, à côté et en bas. Menace Santana, Guapman, très bonne musique. En tout cas, c'est très bien, Zorx, j'ai bien aimé. Peut-être ta POV un peu retravaillée pour que ça soit un peu plus fluide, sinon le montage, je sais pas t'es sur quel logiciel, mais GG quand même, il y a eu du travail. Ensuite, voilà, voilà. Les clips sont plutôt pas mal. On a un peu de tout, on a du créa, on a de l'arène, on a du late game, donc félicitations. Let's go, on est avec du coup Dexterix 89 vues, on va voir si on tombe sur une pépite. Ok, donc on est sur du manette PC, 240 fps, ah ouais, hein. Pas mal hein. Ok, le clip a l'air, wow, il est long, j'espère qu'on... Ok, bien, oula, non, mon gars. T'aurais dû mettre comme premier clip un truc où tu one-shot là, qu'est-ce que tu nous as fait avec la pioche? Hey! Oh, pas mal. Alors, je sais pas s'il y a du montage, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, les clips pour un manette, ils sont chauds. Après, je dis ça, voilà, hein, y a des manettes très bons, et là, on sent que t'es chaud. Je sais pas si t'es un joueur compétitif, des trucs comme ça. Chaud. Ah ouais, le piece control, bien joué. La POV est plutôt jolie. Ça se voit quand tu joues, tu réfléchis, hein, tu fais pas n'importe quoi. On a de la box fight, on a de l'arène, on a tout, on a du BF là, même de la zone noire, il y a de tout. Oh, il était bloqué dans le cône le frère. Ok, ok, je pense qu'on va s'arrêter là, on est sur du 1 minute 43. L'highlight est vraiment pas mal, je pense vraiment bah, que je te conseille peut-être de trouver un monteur ou de faire un peu de montage. Je sais qu'au début, t'as fait un petit ralenti, donc il y a eu du taf quand même, mais peut-être en faire surtout le highlight. Mais sinon, les clips sont lourds. Rien à dire sur les clips, après il y en a eu certains où je t'ai dit j'ai pas trop aimé, mais sinon majoritairement les clips étaient plutôt bons, voilà, peut-être juste à taffer le montage, et puis c'est tout, et mon gars, c'était vraiment lourd, et on passe au prochain. Et nous sommes partis avec Kikitor, 98 vues, donc c'est Wars qui m'avait envoyé le montage, mais j'ai vu que Kikitor aussi avait sorti la même vidéo, ils ont mis la même vidéo sur les deux chaînes, donc on est allé voir Kikitor, surtout je pense qu'il a aussi un peu besoin de visu. Donc let's go, on est parti, c'est moi qui a édité le montage, donc je vais pas non plus dire que, tu vois, le montage est mauvais, c'est logique, mais tu vois là déjà... S'il faut que je dise un truc sur mon montage, j'avais fait une petite erreur là à un moment, tu vois, où je mets les bouteilles parce que c'est la musique de PLK, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il raconte, il parle de bouteilles de vodka. Et il y a eu un bug à la transition, donc dommage, mais en vrai, c'était une bonne idée. Mais en tout cas, les clips sont lourds du côté de la Play et du PC, parce que je crois que Wars est PC et Kikitor Play. Malheureusement, bon, sur Play, la qualité, déjà, bah, c'est grave pixelisé, je trouve, ça va encore, mais voilà, c'est moins bien. Un PC, et aussi je trouve que la POV malheureusement à Kikitor, faut peut-être un peu plus la travailler, c'est un peu rectangulaire, tu vois, histoire que ça soit un peu plus fluide, mais sinon ça peut aller, hein, vraiment. Par contre les clips de Wars, voilà, c'est plutôt pas mal. Après on a beaucoup de créatifs, peut-être mettre un peu d'arène, des choses comme ça, mais après les clips en créatif sont bons, enfin, tu vois, là on a un bon clip je trouve pour la Play. Yes, voilà, ça met beaucoup de balles dans la tête, hein. L'aim est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Et il a 98 vues, hein. C'est vraiment dommage, ça mérite vraiment plus de visu là-dessus. Oh, oh, bien joué, ok, ok. Donc voilà, hein, c'est un peu le concept, hein. C'est essayer de mettre en avant certains qui ont un vrai potentiel. Et là, on est vraiment tombé sur deux petites pépites, j'aime bien, hein. C'est un beau dual stage. On sent vraiment que les deux, ils se connaissent bien et tout, c'est des bons potes. Et puis voilà, ok, ok, la vidéo est finie, bah très chaud, l'highlight, je l'ai kiffé. Bon, je vais pas dire ça parce que c'est moi qui ai fait le montage, comme je vous ai dit, mais les clips sont bons, manque un peu tête d'arène, mais sinon c'est vraiment très positif.
En tout cas, voilà, merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos, bien évidemment. Si vous voulez participer à des vidéos dans ce genre, donc t'oublie pas de venir me follow sur Twitter et Insta. C'est Itixo vraiment partout, genre sur tous les réseaux, c'est Itixo, tu me trouves très facilement. Tu vas me follow, mon gars, et souvent en story, je dis en avance si j'ai besoin de vous pour ces genres de vidéos, que vous m'envoyez vos vidéos ou des choses comme ça. En tout cas, voilà, voilà. N'oublie pas de s'abonner et de mettre mon code créateur, ça m'aiderait énormément. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.